Il y a un an, je faisais une vidéo dans laquelle je réalisais vos défis au ski. Des défis que vous m'aviez proposés sur Instagram. D'ailleurs, il est en description de cette vidéo. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir repartir au ski, alors j'ai voulu refaire la même chose. Réaliser à nouveau vos défis. Le problème, c'est que les défis qu'on m'a proposés, ben, ils n'étaient pas très variés, quoi. Du coup, j'ai eu une idée. Réaliser 5 défis que ChatGPT me proposerait. Je vous souhaite donc un bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti. C'est parti, premier défi, on va aller faire du hors-piste. Là, je suis sur un tire-fesse qui va nous mener à une piste, mais on va aller juste à côté de cette piste pour pouvoir faire du hors-piste. En plus, il a neigé avant-hier et un petit peu hier, du coup, il y a pas mal de poudreuse encore, donc ça va être sympa. Et je suis un peu ébloui aussi, désolé, mais je voulais vous voir sans masque. C'est parti hors-piste. Ah, je galère à tourner. Faites une extension, là. Ah, je contrôle plus, non, c'est bon. Je vous jure les gars, je contrôle. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est tellement dur. Dans la poudreuse comme ça là. Quel plaisir. Dans la poudreuse là, les traces. Oh là là. Incroyable. Ah putain, ça fait trop mal. Ah, j'ai perdu contrôle. J'ai pas le niveau pour le hors-piste moi. On reprend tout doucement. Bon, c'est la fin du hors-piste. Petit saut et après on passe au défi suivant. Je pense que le défi sera réussi si je tombe pas sur ça. Je tombais une fois, ça va. Let's go. On passe au défi suivant. Je sais pas ce que c'est, je vais regarder, mais on passe au défi suivant en tout cas. Défi réussi. Défi suivant, je dois skier sur une piste rouge. C'est parfait puisque je suis justement sur une piste rouge. Donc c'est parti, on va skier ça. Bon, piste rouge, en vrai, je maîtrise. Je dis ça, je prends un karma. Mais en vrai, je maîtrise. Je sais les faire, donc ça devrait aller. Bon, elle est assez courte, mais ça fera quand même une piste rouge. Piste rouge réussie, on passe au défi suivant directement. Les amis, bienvenue, Mephisto supérieur, c'est parti. Je suis déjà chronométré tout à l'heure, en allant normal, elle est assez normale. Et on enchaînera sur l'Appia ou l'Appiaz, je sais jamais comment l'appeler. L'Appiaz. Et ça nous fera notre piste où on devra battre le temps de 5 minutes. 5 minutes 47, le temps que j'ai fait tout à l'heure en allant à une allure normale. J'ai regardé vitesse moyenne 25 km/h, donc c'est vitesse normale quoi. Objectif moins de 5 minutes, je pense que c'est possible. Les cuisses et le dos, punaise, j'ai mal. On va avoir le tort. 5-18, dommage. Vitesse moyenne 28-3, bien mieux. Record battu, on n'est pas passé sous 5 minutes, c'est dommage. Mais ça reste quand même un record. Et donc, défi réussi tout simplement. Je suis content. 5-18, c'est pas mal en vrai. Hello darkness, my old friend. Dernier défi de cette vidéo les amis, on va passer au saut. Selon ChatGPT, on doit faire des petits sauts, puis après faire un saut plus grand. Je pense que le grand saut est au milieu. Donc on verra bien de toute façon. J'ai pas fait le repérage de la piste, c'est très bête. Mais on va voir ce que ça donne et puis voilà. Allez, c'est parti.
Je suis parti tellement haut. Attends, je m'y attendais pas. Ah, j'ai eu trop peur. J'étais beaucoup trop en arrière. J'ai envie de tenter celui-là, là.